Even if you are the best player, your job is not just to show off, but your job is to make your teammates better. Alors, vous avez pu le voir justement dans cet élément de nos confrères de K2 Apple Project. Eh bien, il faut dire que Barack Obama vient donc d'inciter un partenariat entre la Fédération internationale de basketball à travers sa branche Afrique et bien évidemment la NBA en vue du lancement d'un championnat dès 2020 de la toute première ligue panafricaine professionnel de basketball. Alors ça, c'est un élément sur lequel on ne pouvait ne pas s'arrêter, parce que justement dans une émission précédente, on parlait déjà de l'impact du basketball dans le développement même du sport, et surtout de l'apport de la NBA Africa dans le but de pouvoir développer le sport en Afrique. Et aujourd'hui, on le voit très bien, la NBA et la FIBA se sont donc mis d'accord pour lancer donc ce championnat. Et moi, ce que je veux savoir, Tatou, que peut avoir justement cette initiative est-ce qu'on peut considérer cette initiative comme une révolution marketing justement dans l'histoire du basketball africain? La parole est à toi, Tatou, tu peux... tu la prends comme tu veux. En réalité, je pense que c'est un process. Ouais. Qui, non, vas-y, ça on a une émission bilingue. Le nom de l'émission, c'est Sport Business Squad. En fait, quand je parle de process, je pense exactement à Joël. C'est malheureusement fait mal, et puis... ouais. J'espère qu'il revient, tu reviens très bientôt sur, ouais, ton chiffre. On parlera même de lui tout à l'heure. Voilà. Je pense que c'est un process qui est en train de suivre son cours. Aujourd'hui, il y a quelques années, la NBA a décidé de lancer les matchs de NBA en Afrique, avec les ressortissants africains qui jouent en NBA. Ouais. Donc aujourd'hui... Il y a la Junior NBA. Oui, il y a la Junior NBA. Il y a le programme Rwanda, programme Sénégal. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est que normal si on arrive aujourd'hui à lancer une ligue calquée sur le... Parce qu'il faut aussi dire, hein, il y a des ligues qui existent en Afrique. Je me souviens à une période, il y a une ligue qui a été lancée par des Africains où il fallait jouer des matchs internationaux entre clubs et autres et tout ça là, mais ça n'a pas prospéré. Et aujourd'hui, je pense que s'il y a une ligue qui est calquée sur le format de la NBA, on parle de 13 franchises. Voilà, et que on a des spécialistes là, en matière de la FIBA, peut-être de la FIBA, qui viennent accompagner ceux qui seront sur le continent pour pouvoir développer cette ligue-là. Franchement, c'est très bien. Et au niveau marketing aussi, c'est la résultante de ce que nos confrères, enfin nos frères qui jouent en NBA aujourd'hui apportent sur le terrain. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de travailler avec certains, comme Bismack Biyombo par exemple, Serge Ibaka. Et l'idée derrière, c'était toujours... On va rentrer en Afrique, on va créer des camps, on va développer les camps en Afrique pour que les basketteurs africains puissent, pour qu'on ait plus de basketteurs africains. Africains, NBA, ouais. Aujourd'hui, malheureusement, si, je ne vais pas tirer sur quelqu'un, mais si les Hakeem Olajuwon, Dikembe Mutombo avaient été autant impliqués à leur époque, ouais, on aurait beaucoup plus de basketteurs aujourd'hui africains en NBA. Oui, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est la résultante de ce que les autres ont fait. Big Joe, Big Baramouté, Deng au Sénégal, au Soudan. Donc c'est un peu, pardon, Deng au Soudan. C'est un peu ce qui est important de relever ici, c'est que on a des basketteurs aujourd'hui qui pensent qu'il faudrait que... C'est comme parler de Francis Ngannou, tendre la perche aux jeunes pour que demain, après eux, qu'il y ait d'autres personnes en NBA pour prendre la relève. Et moi, aujourd'hui, quand même, il faut dire que cette initiative porte l'estampille d'un nom qu'on connaît, un prix Nobel de la paix mondial. Il s'appelle Barack Obama. Et donc, il a été... Qui est africain. Qui est africain d'origine. Si vous avez vu le reportage tout à l'heure, il le dit très bien. Moi, mes parents sont d'origine africaine et ce n'était que normal pour moi de m'impliquer. Qui est très bon basketteur aussi. Qui est un très bon basketteur, tout comme le président Kagame, qu'on a vu à l'image. Et donc, Quelle peut être justement cette relation-là, l'essor de cette relation entre Barack Obama, la NBA, la FIBA? Qu'est-ce que cela peut justement augurer pour le développement du basketball en Afrique? Oui, beaucoup de choses, Franck. Tout à l'heure, je vais revenir sur une image que Tato a pris tout à l'heure. Là, il a parlé de la tenue traditionnelle que Ngannou a arborée. Ouais. C'est-à-dire que vous et moi, on peut porter la même tenue, que ça n'aurait pas le même impact. Ah, bien sûr, un monsieur qui est en passe d'arracher sa ceinture à Daniel Cormier. Donc, vous voyez, il y a l'image de marque. Il y a des personnalités dont l'image seule fait office de caution. Et quand des jeunes vont voir un monsieur comme Barack Obama s'impliquer dans un tel projet, ça va être un booster pour beaucoup de jeunes. On se souvient, lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême aux États-Unis, les Africains aux quatre coins de la planète étaient en liesse populaire totale. Les gens jubilant, dansant, disaient enfin un Africain président de la première puissance mondiale. On voit aujourd'hui les retombées quand même. Voilà. Parce qu'il faut dire que, comme le disait tout à l'heure Tatou, la NBA a essayé. Mais là, beaucoup de gens sont en train de se demander, est-ce qu'ils peuvent? Parce qu'il faut dire que la NBA fonctionne sur un système de franchise. C'est-à-dire, ce n'est pas comme chez nous en Afrique où il y a les premières et les deuxièmes divisions. Ce sont des franchises. Voilà, on ne monte pas, on ne descend pas. C'est 13 équipes qui doivent respecter drastiquement le cahier de charges établi par la NBA. Et si vous ne pouvez pas, vous vendez le club simplement à une personne qui peut le faire. Est-ce qu'on peut le respecter? Est-ce qu'on peut respecter ce système-là en Afrique aujourd'hui? Et je vais te surprendre, Franck. Pour moi, c'est même la méthode que je suggère qu'on intègre au football. Je vous serais venu de très loin. C'est-à-dire que... C'est plus de Franck. Il y a quelques émissions en arrière. C'est-à-dire on se retrouverait avec une sorte de championnat VIP. Oui, professionnel, d'élite. Oui, professionnel. Ouais. On dit, pour faire partie de l'élite one, il faudrait avoir, par exemple, un budget de, supposons, 500 millions. Par exemple, je suis modeste. Alors, vous les avez, vous déposez dans un compte que la Ligue va gérer ensemble avec vous. C'est-à-dire que le mois où vous êtes tenté d'aller investir ailleurs et de léser vos joueurs, la Ligue est là, qui est co-gestionnaire de ce compte-là. Oui, tout à fait. Je vous assure que ça va marcher. On se plaint de ce que notre championnat n'a pas de financement, n'est pas attrayant. C'est pourquoi? Parce que dès qu'un petit talent se démarque, il est vendu ailleurs. La même chose au basketball. Tous les jeunes veulent aller en NBA. Et la création de ces projets avec projet Sénégal, Rwanda, justement, les responsables de la NBA disaient que cela devait permettre aux talents africains d'évoluer d'abord sur leur continent. Tout à fait. Et de ne pas être tentés à chaque fois de s'expatrier. Tout à fait. Et enfin là, nous verrons devant nos propres yeux nos frères, nos enfants réaliser les exploits. Les basketteurs de ce championnat-là pourront être draftés. Voilà. Bien sûr. Ils pourront aller jouer en NBA. Mais ils auront atteint un certain niveau de talent, une certaine maturité sur place avant de s'expatrier. Il faut dire que justement, on a les Joël Embiid. Tout à fait. Joël